Qui es-tu? Qui es-tu? Si. Non. Si, qui es-tu? C'est un homme.
Yeah.
la place. C'est à vous, le Joël, le prophète Joël. Grâce au Seigneur. Oh.
jamais en bonheur. Faut que j'explique un peu la main. Généralement, je chante la balade. Jean, veut dire Jésus revient bientôt. Auparavant, j'étais dans le monde et cette fois-ci, Jésus-Christ m'a choisi. Et donc, quand Dieu t'appelle, il faut t'éloigner de tout ce qui n'est point de sa gloire. Amen. On dit amen. Amen. Il faut persévérer dans la voie du Seigneur. Crie comme vous, c'est un oiseau qui perce les arbres. Il perce les arbres. Il faut être comme l'oiseau qu'on appelle Crie Coco. Alléluia. Amen. Jésus est le Dieu.
Alléluia. Monsieur Kwao, il y a un truc avec toi, je vais régler ça devant l'église avant de commencer. Je vais régler un truc entre frères et fils, et père spirituel et fils devant l'église. Vous me regardez? Il faut qu'on règle notre conflit. Vous regardez les anciens? Oui. Venez ici. Madame Kwao, viens. Tu veux que je règle? Tu ne sais même pas de quoi il s'agit, c'est ça? C'est ça aussi, non? Il faut d'abord savoir. Vous savez que c'est son anniversaire? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Je suis prêt, hein? Madame Crochet, je vois les cadeaux! Thank you.
qui vous marquent négativement. Par contre, il y a des gens qui rentrent dans votre vie qui vous marquent positivement. J'ai vu, je pense que ce vendredi, j'ai dit, elle a posté, elle a dit, c'est mon anniversaire. Je suis allé sur mon truc, j'ai dit, ah bon, là, les anniversaires, ma fille. Elle a dit, non, c'est dimanche. J'ai dit, ok. Je vais te prier en tant que père de souhaiter joyeux anniversaire. Donc, mon épouse et moi, déjà depuis samedi hier, on a commencé à mettre nos plans en place. On dit qu'il faut qu'on souhaite ça officiellement devant l'église. Parce que ce couple, à un moment donné de notre vie, nous ont apporté leur soutien. Et c'était un moment pour nous, c'est une manière aussi de dire merci. Officiellement devant toute l'église. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accorde encore longévité. Voilà, longévité, longévité. Ah, Jésus, moi le fouet, non. Je n'ai pas pensé. Jésus, moi le fouet, non. Jésus, moi le fouet, non. Moi le fouet, non. Jésus, moi le fouet, non. Oh,
Madame Kwao Aurélie, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse encore. Moi j'ai un défaut, quand tu me marques positivement, c'est fini, tu es gravé dans ma mémoire. Tu restes gravé dans ma mémoire. Je ne regarde que ça. Voilà, je ne regarde que ça. J'ai dit à mon époux, tu sais que c'est l'anniversaire de notre fille. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait la surprise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, le temps nous dit, on les a sentis à nos côtés. Et ça, c'était un moment très important pour nous. On les a sentis à nos côtés. Ils nous ont soutenus par la grâce de Dieu. Et pour nous, c'est resté à nous dans notre mémoire. Comme chacun d'entre vous d'ailleurs. Que Dieu aussi vous bénisse. Qu'il vous accorde longévité, prospérité et bénédiction. Dis à quelqu'un, tu as béni. Dis à quelqu'un. Amen. Vous savez, dans la vie d'un homme, des rencontres, il y a des rencontres. Des rencontres, là, il y a des gens qui viennent dans ta vie, dans l'une et deux nuits. Et il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour te booster d'être ta destinée. Amen. 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 C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux pour avoir le discernement. Il y a des gens qui viennent comme élément du diable pour lui à ta vie. Il y a des gens qui viennent pour te booster. Amen. Amen. Ces personnes-là, malgré les difficultés, elles restent et croyons toujours à vous. Amen. Amen. C'est comme ça. Qu'on veut ou pas, on a toujours des gens pour nous briller, n'est-ce pas, notre piste de destinée. Et c'est pour ça que dans la vie, il faut avoir le discernement. Amen. Amen. Alors que Dieu bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Il y a quelqu'un qui est venu dire à mon oreille, tu sais que c'est l'anniversaire de mon enfant ou l'oreille. Il dit, moi, je sais ça mille fois que toi. Amen. Je lui ai dit, je sais ça mille fois. Il dit, ah, je m'en doutais. Il dit, je sais ça mille fois que toi. Mais regarde seulement ce qu'on va faire. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia, soyez fortifiés, bénis. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Qui fait son anniversaire encore aujourd'hui? Qui fait son anniversaire? Qui a son anniversaire aujourd'hui? Amen. Amen. Qui fait son anniversaire aujourd'hui? C'est la seule. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, je suis très content. Avoir un an de plus, c'est une bénédiction. Hein? Amen. Amen. Vous savez pas ce qu'elle a traversé pendant toute cette année. Et avoir un an de plus, ça se fait. C'est pour ça qu'il faut rendre gloire à Dieu. L'anniversaire va se fêter. Vous ne vous allez pas dans notre culture. Il y a un nom qu'à nous présent. On dit à l'Occident, ils ont souvent des bons choses. Tu vas demander à Céline Tapin, ton anniversaire c'est quand il s'est même. Il ne sait même pas quand il est né. Il n'a pas fini de mettre la gagne. Il ne sait même pas quand il est né. Voilà, 1er janvier, c'est tout. Amen, c'est 1er janvier, il mange, placali, polo, et puis c'est fini. Amen. Amen. Voilà, l'anniversaire, c'est vraiment très important. Quand Dieu nous donne un an de plus, ça doit se célébrer. Parce que c'est une grâce, c'est comme que nous rentrons dans une nouvelle année, une nouvelle vie, qu'on réfléchit à tous les combats qu'on a menés pendant toute une année. Parce que vous voulez ou pas, il y a toujours l'ennemi qui sera toujours à votre trousse, qui va vouloir vous mettre bâton dans la roue. Et c'est toute la grâce de Dieu. On dort, on se réveille, c'est une grâce de Dieu. Amen. Souvent tu dors, tu ne sais pas où ton âme se trouve, et Dieu te réveille. C'est une grâce. Tout ça, quand tu te réveilles, la première chose, action à faire, c'est de dire merci à ton Créateur. Dieu existe. Amen. Amen. Pour nous qui sommes des croyants, nous croyons à la puissance de Jésus-Christ, avoir le souffle de vie est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Est une grâce de Dieu. C'est par grâce que nous vivons et nous bénissons le nom de notre Dieu. Dis à quelqu'un, soyez béni. Soyez béni. Dis à quelqu'un, sois béni. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, sois béni. Je ne sens pas les gens en train de parler. Dis à quelqu'un, sois béni. Soyez béni. Voilà. Salut quelqu'un. Dis à quelqu'un, sois béni. Amen, amen. Amen. Dieu à quelqu'un soit béni. Soit béni. Dis encore à quelqu'un soit béni. Soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ta prière chante,
J'ai l'impression que tu n'as même pas. Quand tu places un mot, tu pleures. Quand tu places un mot, ça veut dire toi-même, tu vis ta chose. Amen. C'est-à-dire que dans ta détresse, invoque-moi. Je te répondrai. Amen. Alléluia. Et chaque chanson, je l'ai composée en 2004. Mon premier album. J'ai fait sortir mon premier album gospel en 2004. Ah, vous verrez, oui. Mon premier album, je l'ai fait sortir en 2004. Je suis auteur, compositeur, et c'est moi qui ai propulsé le Zouglou gospel en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. La musique Zouglou que vous connaissez, amen. C'est né dans ma région qu'on appelle la Côte d'Ivoire, à Biance Facile. Et comme j'aimais beaucoup aller dans les villages pour les évangélisations, j'ai commencé à capter. Et comme j'aimais bien la musique, je faisais beaucoup la musique. Je me suis mis dedans. Donc la plupart des artistes, Père à son âme des champions, il y avait un chant qui chante. L'autre, bon, j'ai des noms, je n'ai pas envie de dire, qui chante aussi mes chants. Il y a des gens qui veulent chanter, qui s'approchent de moi. Et je vais souvent les assister en studio. J'ai aussi un studio d'enregistrement. Je suis producteur. C'est tout que vous ne savez pas. J'ai une grande boîte de communication en Côte d'Ivoire qu'on appelle PAO Communication. Amen. J'ai un studio de production. Donc je suis dans la musique en plein temps. Amen. Amen. Je suis toujours en train de composer. Et Seigneur Jésus a beaucoup
Oui, je peux même la batterie, je peux pas beaucoup d'instruments. Il y a quelqu'un qui veut venir. Qui a chanté le Bolo Super Gospel. Jésus est pour nous. Jésus est pour nous tous.
c'est Yeshua, on dit oui Jésus. Jésus, c'est Yeshua. Voilà, parce que le nom de Jésus, c'est différent en congolais. Yeshua, pourquoi il n'est pas venu chanter le congolais? Est-ce qu'il est le pas de danse? Le pasteur Nani est en train de la prendre. Abadja un peu. Le plus dangereux de la salle. Tu peux nous donner un chant centrafricain un peu? Vous avez combien de dialectes là-bas chez vous? Il y a plus de dialectes, mais une langue nationale aussi. Comment on appelle la langue nationale? Le sango. Ah, le sango. Vous pouvez nous donner un chant sango? Bien. Venez, monsieur et madame. Non, elle est déjà là-bas. Elle est déjà installée, ne la fait pas bouger. Elle est déjà installée. Allez, faut les accompagner. Aïe, que la gamboutique a payé, que la gamboutique mon zapatino, zapatino, aïe, que la gamboutique a payé. Ah, la matinée, oh.
chant veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas par la force, mais c'est par ta puissance. Regarde l'assemblée là-bas. Regarde l'assemblée là-bas. Oui. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par la puissance de Dieu. Et j'ai choisi Jésus. Je vais le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Et après, tu invoques, tu dis au Seigneur de descendre sa puissance afin que tous les esprits de Dieu puissent se disperser. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Les centrafricains, vous avez la même mélodie, la manière de chanter. On avait l'impression de voir un peu l'accent congolais dedans. Un peu ce style congolais. C'est toute l'Afrique, que Dieu bénisse. Amen. Nous prions Dieu que Dieu fasse du bien à l'Afrique, dit amen. Et ça, c'est beaucoup très important. Que Dieu visite nos nations, nos différentes nations africaines. Et que Dieu permette que les gens comprennent. On n'a plus besoin de faire de la guerre. Nous ne sommes plus au stade de la guerre. Nous sommes au stade du développement. C'est vrai que les Occidentaux ont connu des moments de tristesse, des moments de guerre. Voilà, ça fait partie de leur histoire. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Amen. Et malheureusement, les gens veulent nous mettre dans les guerres ethniques. C'est des choses que nous devons éviter personnellement. Notre prière, nous avons des richesses. Amen. Mais malheureusement, le seul problème de l'Afrique, c'est la connaissance. C'est pour ça qu'il faut que Dieu visite l'Afrique. Amen. Nous prions pour que dans chaque pays africain, qu'il y ait, dans chaque village, dans chaque campement africain, qu'il y ait une école. Amen. Une école obligatoire. Amen. Si à l'école, vous allez voir, quand quelqu'un est oisif, malheureusement, la plupart des Africains sont oisifs. Et la oisivité crée ce que ça peut créer. Amen. Amen. On se trouve tous les soirs autour des vins de balles, on est en train de chasser. Les rats dans la brousse, on dit le meilleur chasseur de rats, le meilleur faisait du banquier, vient du bal. Les blancs sont en train d'étudier. Oui, on dit le petit, comment il s'appelle? Il s'appelle Gakwain. Gakwain, c'est le meilleur chasseur d'aboutis du village. On n'a pas dit qu'il a créé. Il fait quoi? Il est le meilleur chasseur d'aboutis. Parce qu'en fait, les gens n'accordent pas d'intérêt à l'école, l'éducation. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir de l'Afrique. Amen. Et c'est mon combat, ça. C'est mon combat. Alléluia. Amen. Encore, il faut éduquer nos parents pour que les parents africains comprennent que si nous voulons une Afrique émergente, si nous voulons une Afrique émergente, il faudrait que nous puissions mettre la main dans la main et permettre aux parents eux-mêmes d'écrire la motivation. Que celui qui n'est pas un enfant, qui n'est pas envie d'aller à l'école, il faut le motiver à aller à l'école. Il faut lui dire que son avenir se trouve à l'école. Amen. Pendant des années, dans ma région, on a créé une campagne de sensibilisation. On a compris qu'en fait, les enfants qui ne vont plus à l'école, c'est les parents qui créent ça. Parce que le papa, il n'est pas allé loin à l'école, ou du moins, il n'est même pas allé à l'école. Donc pour lui, l'école, ce n'est pas un moyen de réussite. C'est dangereux. Et pour eux, il faut aller créer une plantation. Voici les études aujourd'hui qu'on appelle le changement climatique. Et que tu m'as parlé, son gars, non, il a changé le prophète. Il a le langage qu'il a. Mais lui, ça a un impact. Qu'on détruit nos bourses. On n'a pas forcément besoin, forcément, de la bourse pour créer des plantations. Mais meilleur. Avec nos connaissances, bien sûr, avec nos connaissances intellectuelles. Il y a des gens qui sont informaticiens. Il y a des gens qui sont aujourd'hui ingénieurs dans beaucoup de domaines. Et tout ça, ils gagnent leur vie. Amen. La preuve, c'est que quand tu parles aujourd'hui, même tu parles aujourd'hui avec les agriculteurs, en fait, les paysans, ils comprennent aujourd'hui qu'il y a un souci. Ce qui gagnait en vendant la plantation, c'est pas ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Il faut comprendre que tout est en train d'échanger. Amen. Ce qui t'a parti, c'est ta connaissance. C'est pour ça que quand vous êtes ici, heureusement, vous êtes sur un continent où on n'a pas besoin d'âge pour aller à l'école. Ne vous limitez pas seulement au vigile ou à mettre chien. Quand tu finis dans la semaine, cherche à au moins deux coups ou deux heures dans la semaine de formation. Et tu vas évoluer. Si on suit dans rien comme connaissance, tu es limité dans la vie. La société qui arrive demain, vous allez dans d'ici 20 ans, c'est en fonction de la connaissance. Ce n'est pas une question de prière pour dire non, il va prier le Seigneur. Je vais être directeur d'une entreprise, tu es un sorcier. Amen. Directeur d'entreprise, c'est pas prier qui va t'envoyer là. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien compris? Amen. Ça se mérite.
Tu n'arrives pas à dire que tu veux tirer ton entreprise parce que tu vas gêner et prier. Tu n'es pas magicien. On a bien saisi. Alléluia. Le frère, il est païen. Celui qui est païen, qui a la connaissance. Et toi qui prie, vous avez des mots, vous les scellez. Amen. C'est celui qui a la compétence. On prendra dans le service. Ce n'est pas celui qui prie. Donc la prière, c'est ce que ça peut faire. Et bien la connaissance, c'est ce que ça peut faire. Donc si vous êtes sur un territoire qu'on appelle l'Europe, vous devez chercher à avancer intellectuellement. Amen. Et quand on a dit, ah non, je ne fais rien. Comment on appelle votre argent pour le toucher? Non, pas SMIC. Le RSA, c'est ça? Hein? Hein? Oui. RSA. On danse aux gens, c'est combien? 400. Ça peut te faire quoi? 480. Ça, c'est le chômage, non? Non, c'est RSA. C'est comment on a le nom? C'est N, d'accord? C'est revenu de solidarité active. Quand on travaille, trois mois après, on le bénéficie. Bon, ceux qui n'ont jamais travaillé, ils ne Le chômage, est-ce qu'on a bien saisi? C'est pour ça que je me motive à aller à l'école, à vous faire former. Amen. Amen. Le continent africain a besoin des cerveaux. Vous comprenez? Il faut qu'on ait quelque chose dans la tête. Sinon, d'autres personnes viendront exploiter ça. Amen. Amen. Les gens, tu parles avec eux, tu te poses la question. Mon frère, tu es pas allé à l'école? Parce que son raisonnement est tordu. Il est limité. Il est limité par vos chiffres de bénédiction. Dis amen. Il est limité par ça. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? N'est-ce pas? Et nous avons cinq pères. C'est ce que Jésus a multiplié. Qu'est-ce que tu as? Tu es venu en France. Tu es en Europe. Ici, c'est la compétence. Ici, c'est la concurrence. Ici, c'est... Qu'est-ce que tu as, ton connaissance? C'est pas nous les démons fait que je ne travaille pas. Où est la sorcellerie? Bon, qu'est-ce que tu as déjà comme connaissance pour que tu puisses avoir du travail? C'est la question. Tu n'as rien, mon frère, tu ne peux pas être visité par Dieu. Il y a des questions que tu manges depuis que je ne travaille pas. Tu as quelle compétence? Non, je veux travailler. Mais tu as quoi comme compétence? Vous nous fatiguez. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous comprenez? Amen. Amen. Non, c'est que je n'ai pas d'âge ici. Je n'ai pas fait de honte, je n'ai pas d'âge. Le prophète même se débrouille aussi dans les petites connaissances pour évoluer aussi, pour apprendre en informatique, en tri, en comptabilité. Il y a des choses, plein d'opportunités. Il y a une maison ici, en France ici, qui vous enseigne, on appelle ça? Pôle emploi. Vous savez tout. C'est une bénédiction. Ne voyez pas seulement RSA. Vous voyez cette opportunité de vous informer et allez vous faire former. Tu peux dire ceci. Ici, même pour l'année AC, on a besoin de plongeurs. Si tu dis à quelqu'un que j'ai fait une formation pour l'année AC, les habitants vont tomber. Tout le monde périt. Mais c'est important. Parce que ça, tous ces formes, il faut apprendre. Tu as un diplôme pour venir laver des assiettes. Et moi, j'aime bien se demander de voir la vie. Il faut avoir la compétence. Est-ce que c'est ta destinée? C'est ça aussi. Est-ce que c'est vraiment ta destinée? Parce qu'il y a souvent les mauvais choix qu'on fait souvent dans la vie. Oui, il y a des gens qui étaient juges, qui ont changé, qui sont venus les restaurants dans la restauration. C'est les assouris. Vous comprenez? Il y a souvent, on va dans une destinée qui ne nous sourit pas. Comme un juge devient un restaurateur et gagne sa vie. Je parle avec quelqu'un qui était un informaticien, un fils. Il dit, une de mes collègues a laissé l'informatique
qui rentrent aussi dans la restauration. Et elles plus sont là. Et sur ça, il y a un moment donné de votre vie, posez-vous la question, quelle est votre destinée prophétique? À quoi Dieu vous a réellement appelé? Le premier boulot qu'il faisait David, c'était un berger. Il était d'abord berger. David était berger. Et ce boulot-là, c'est sur ses parents qui lui ont posé ça. Je m'avais saisi. Alors, va venir un certain Samuel, prophète, vous dit, parce que Dieu l'a envoyé dans la maison de son père Isaïe pour oindre le roi d'Israël. Il regarde les autres et dit, est-ce qu'il y a pas d'autre? Et les gens l'ont banalisé. C'est quand Samuel a vu David que sa destinée a changé. C'est ce qu'on appelle la destinée prophétique. Il y a ce qu'on appelle destinée orientée et il y a ce qu'on appelle une destinée prophétique. Amen. J'ai vu des grands intellectuels qui sont des ingénieurs, qui sont devenus musiciens. Quand on vient le midi, c'est un informaticien. Vous savez son nom? Moi, je suis dans la musique, donc j'apprends. Quand on vient le midi, c'est un informaticien. Vous savez son nom? Oui. Quand on vient chanter les paroles, c'est un informaticien de base. Mais il a reçu dans la musique. Quand on vient le midi, c'est un informaticien de base. Il a fait la formation, il est informaticien. Et il a souri. C'est dans la musique qu'il a évolué. Vous comprenez un peu? Félix Oisier, quoi aussi? Il était quoi? Licencié en économie. Ah. Il est devenu aujourd'hui musicien. C'est ça que la destinée prophétique. Dis amen. Alors que tu bénis, dis à quelqu'un que tu bénis. Amen. Amen. Souvent, ce n'est pas la sorcellerie. Est-ce que tu as bien compris? Non, souvent, ce n'est pas la sorcellerie. Souvent, c'est parce que c'est une mauvaise orientation. C'est pour ça que s'il y a des coachs, il y a des gens qui vous coachent. Il y a des gens qui cherchent à savoir, de vous coacher, pour vous orienter dans certains domaines. Et Dieu est mieux placé, demandez au Seigneur, je suis là, je n'arrive pas à avoir mon plan dans tel domaine, mais quelle est ma destinée prophétique? Amen. Amen. Ça va? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Avant le niveau, quand vos parents nous parlaient, il fallait avoir le CP pour être fonctionné en Côte d'Ivoire. Le CP, c'est une carte d'études primaire. Quand tu as ça, tu es cadre dans une entreprise. Et après, c'est devenu BPC. Aujourd'hui, même bac, pour avoir du boulot, c'est difficile. Même BTS, pour avoir du boulot. Donc, imaginez-vous dans d'ici 10 ans et 20 ans, le monde est en train d'évoluer. Il faut marcher en fonction de l'évolution du monde. Ne restez pas en marge de l'évolution. On dit amen? Amen. Oui, parce qu'au-delà de la spiritualité, nous sommes dans un monde qu'on appelle un monde physique. Il faut aussi regarder le monde où le système du monde fonctionne. Bah, il marche en fonction de ça. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on m'avait saisi? Amen. Si vous allez à l'école, si vous faites former, vous allez avoir les meilleurs. Amen. 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 Alléluia, vous avez les meilleures choses, celui qui a eu manger les meilleures positions, celui qui a eu les meilleures. Ne baissez pas les pas, Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit ceux qui travaillent. Oui. Et ne baissez pas les pas. Ayez plusieurs diplômes si vous voulez. Au moins j'ai une connaissance. Un jour, Dieu ouvrira la porte. Amen. Est-ce que vous m'avez dit, vous m'avez saisi? Amen. Dis amen. Amen. Ne baissez pas les pas. Et créez la motivation autour de vous. Créez la motivation dans la vie des enfants. Créez la motivation. Poussez-les. Et ça, c'est mon combat. C'est mon combat que je suis en train de mener en Afrique. C'est mon combat. Il y a des enfants qu'on avait rejetés. Je vous dis, rejetés au sens propre. Qu'on a rejetés. Et tu parles à l'enfant, il pleure. Pour lui, c'est fini. Il n'est plus utile à la société. Je n'ai rien dit de regarder l'enfant. J'ai dit, si tu peux. Voici l'âge que tu as. Tu as 7 ans. Parce qu'il nous met dans sa tête qu'il est mauvais. Sa maman s'est remariée avec un autre homme. Il a poussé, il allait derrière sa maman en marchant, il a quitté son village. Et sa maman s'est remariée dans un autre village. L'enfant marchait, il s'est retrouvé dans le village. Et il y a eu conflit. Pourquoi ton enfant vient sans ma permission? Un enfant comme ça, le matin, le papa de le mari de la femme, n'est-ce pas? Que sa mère prend l'enfant qui avait des plaies. Au pied, il prend un couteau chaud et il pique dans le couteau. Le petit avec moi, je suis en train de le. Je l'ai mis à l'école, je l'ai scolarisé. Il a mis le couteau dans le trou.
Et l'enfant était traumatisé. Il a marché de son village, quitté à Oumé, direct jusqu'à arriver à Zarbo et chercher à rencontrer le prophète. Et c'est là que je le voyais, l'enfant. Parce que moi, je l'aime moi bien élevé. J'ai l'air de moutons, je suis dans beaucoup de domaines. Ah oh, oui. J'en ai élevé. Ceux qui vont à Dibo, on va y aller, moutons. Et moi, j'aime bien élevé. J'ai fait les vaches. Et on voit, je vois l'enfant, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous d'élever les moutons? Et c'est là où on m'explique l'histoire du petit. Je l'appelle à mon bureau et je l'écoute avec les larmes aux yeux. J'ai dit, petit, reste tranquille. Je suis en train de finir mon orphelinat là. Quand je l'ai fini, je vais t'envoyer mon orphelinat. Et j'ai commencé à prendre soin. Mais quand je coupe l'enfant, il a grossi le cœur. Il veut se venger. Quand je l'écoute, s'il le suit, non, je lui ai dit non. Tu ne peux pas grandir avec de la haine. C'est un moment de ta vie, c'est ton histoire. Mais bannis ça de ta tête. Annule ça de ta tête. Et j'ai travaillé l'enfant. Il dit, c'est ton avenir. C'est qui Gérard Bénin qui permettront aux gens qui t'ont régné aujourd'hui à dire j'ai eu tort de t'avoir régné. Alors si tu restes emprisonné dans ton système de non et ça, tu vas mourir avec plein de haine. Et c'est ça le problème de mon pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, avec les histoires des enfants qu'on appelle les enfants migrants, et nous amène en conflit avec la loi. Quand vous écoutez les enfants de la rue, et ça c'est mon domaine, j'aime bien l'écouter. Une société qui ne prend pas soin des jeunes, des enfants, qui n'arrive pas à scolariser les enfants, vous allez voir un jour des enfants délinquants dans la rue. Parce qu'une génération meurt, il y a une relève. Et tout se prépare. Malheureusement, nous les Africains, on aime beaucoup improviser. Dans la vie, l'improvisation n'existe pas. C'est ce que tu prépares, c'est ce que tu sais que tu récoltes. Est-ce que ma vie, c'est... Amen. Hein? Non, je vais prier. Seigneur, mon frère, tu as gardé quoi dans la banque? Vous n'avez pas vu Dieu qui rentre dans votre banque? Hein? Nous, maman, t'as appelé pour dire, viens. L'argent, là, c'est pas magique qui a pris ça là-bas. Amen. C'est ce que tu as semé que tu récoltes. Qu'est-ce que tu as comme connaissance? Est-ce que ma vie saisie? Donc j'ai préoccupé l'enfant, j'ai commencé à parler avec l'enfant, j'ai commencé à parler avec eux, et l'enfant a commencé à m'ouvrir l'enfant pour lui dire, tu géras quelqu'un de là, ne baisse pas les bras. Et on a créé l'environnement, et ça c'est beaucoup très important, il faut aussi créer l'environnement. Donc on crée l'environnement, on met un moniteur, un éducateur spécialisé, qui a commencé à faire le travail, et leur slogan, je suis champion. Quand c'est le matin, il répète ça. Vous voyez, s'il vous plaît, vos enfants, même si ils sont bizarres, si vous pensez bizarre, ce n'est pas la même personne qui est bizarre, c'est la société qui rend les gens bizarres. Amen. On peut créer, on peut rendre celui qui est bizarre, le rend bien. Et c'est pour ça que j'aime bien la société occidentale, qui respecte même les handicapés, qui leur donne une position pour permettre que l'handicapé ne se sente pas fait et qu'il puisse évoluer. Vous comprenez? Et donc les enfants ont commencé. Et le petit, on a demandé son niveau, il était d'abord au CF2. On a fait répondre le CF1. Aujourd'hui, dans le 6e. Amen. Il est meilleur. Voilà, au CF2, on appelle deuxième. Dans le 6e, il a été premier. Parce qu'on a créé l'environnement. J'ai déjà vu. Et il est motivé. Vous voyez, si nous voulons voir une société africaine bénie, pensons à la génération. Dis Amen. 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 Est-ce qu'on a dit Amen? Parce que cette génération, ce n'est pas le mandat de l'Afrique. C'est vrai que nous sommes en train de prier, nous sommes des chrétiens. Mais si nous voulons voir l'Afrique, moi je suis. Regardez, frère, les gens disent non, les Africains sont esclaves, les anciens. Quand j'écoute quelqu'un dire ça, je le vois comme un sorcier. Vous allez pour faire grâce aux exagères. Non, les gens nous maltraitent. Qui était plus maltraité qu'Israël? Le peuple d'Israël n'a pas été ça. Mais est-ce qu'il vit avec le vrai passé? Hein? Mon frère, ce que tu as vécu, il faut positiver ça. Le peuple d'Israël a vécu 430 ans d'esclavage en Égypte. Je vais éviter les boutiques ici. Vous devez être les meilleurs de l'Amérique. Arrêtez de dire, non, on vous a mis sur un champ.
une plateforme. C'est vous qui devez démontrer ce que vous avez. C'est vous qui devez choper de faire du mal. Et nous qui vis avec ce mal, qui peut être devenir esclave de ton passé. Amen. Vous comprenez? Amen. Qui devient esclave de ton passé. Vous savez, tout ce que nous faisons de mal, nous devons en tirer une leçon pour projeter les choses dans l'avenir. C'est pour ça que la plupart des démons nous aident. Ce n'est pas pour les démons dans l'église. Si la base de l'église, elle est venue chanter ici. Si le démon t'aime pas, t'as qu'il allait connaître Dieu. T'as fini ta soirée, tu dormais à tout le monde. Amen. C'est parce qu'on l'a attaqué, on cherche Dieu. Ou bien, on cherche Dieu. Donc, on ne peut pas rester dans le passé. Vous voyez, tu as vécu le mal dans le passé. Il faut tirer les sons de tout ce qui te dit. Et c'est ça l'Afrique. L'Afrique ne doit pas rester toujours dans cet esprit que non, l'Occident nous matière, l'Occident nous, et on attend de l'avenir des gens. Un jour, je vais poser la question, si vous faites quoi le nom, les gens nous ont volé, donc on est venu chercher leur argent. Je vais dire, tiens, tiens, braque les gens. Depuis quand les gens vont dire. Amen. Vous partir, avant d'apprécier quelque chose, je vous dis, ne vous basez pas sur le passé. C'est ce qui a été fait dans le passé. Si on tient compte de ça, on ne va jamais évoluer. Amen. Amen. À un moment donné, le peuple d'Israël a compris l'esclavage. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs partout. On dit amen. 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 Il y a quelqu'un qui est béni. Je veux béni. Souvent, il y a salué les frères. Tu as quoi? Il dit non, il est plongeur. Il a les assiettes. Et il sait ce qu'il fait de lui. Il gagne lui le spirit, c'est bon. Il dit, mais c'est pas bon. Parce qu'il y a des endroits où ça, ce n'est pas utile. Amen. Amen. Ça peut te profiter ici, mais il y a des endroits où ça ne peut pas te profiter. Donc il faut chercher à avoir des diplômes en informatique, en comptabilité. On a toujours besoin de gens de profit. On m'a dit saisi. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous limitez pas. C'est-à-dire, c'est vous-même qui pouvez limiter la bénédiction de Dieu, au-delà de la religion, au-delà de ce que nous prêchons, au-delà des choses, vous devez aussi booster votre vie. Amen. Amen. Ça va? Amen. Amen. Je vais parler de la délivrance. Amen. Rapidement. On a parlé des hôtels, c'est pas ça? C'est pas ça, on a parlé des hôtels. Qu'est-ce que vous avez fait des hôtels? Qu'est-ce qu'on a dit des hôtels? Qu'est-ce qu'on a dit des hôtels? Hein, c'est un lieu d'évocation des esprits, c'est ça? C'est un lieu où on invoque les esprits, n'est-ce pas? Vous parlez dans les endroits où, dans les carrefours, dans les endroits où vous voyez, les yeux seulement. C'est un hôtel. Et parce que non, c'est un hôtel. Ah, pourquoi c'est sur mon corps, on casse les yeux seulement? C'est un hôtel. C'est-à-dire que là, le monsieur ou celle qui vient, là, elle est un esprit. Et donc, on ne peut pas venir sur un hôtel sans sacrifice. Bon, malheureusement, le père de ce démon, il voit les yeux sur moi. Mais elle, je vais demander au prix. Ma fille dirait. Et après, le prix va demander l'or. C'est moi la commence. Amen. Amen. Donc, c'est un lieu de vocation. Tout ce que quelqu'un va commencer à parler sur quelque chose, un objet. Commencer à faire parler sur un objet, un esprit va venir s'incarner dans l'objet. C'est fini. Et le nom-toi va venir un hôtel. Et dans l'hôtel, il y a toujours faut alimenter l'hôtel. Vous pouvez attraper au fond, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Ok. Alors, je dis, comme ça, il y a ce qu'on appelle les hôtels sataniques, n'est-ce pas? Les hôtels sataniques, ce sont les hôtels où Dieu l'éternel n'est pas invoqué. Amen. Amen. Alors, comme je disais, je fais l'édition. Quand Dieu n'est pas invoqué quelque part, l'idolâtrie, c'est la seule chose qui chasse Dieu d'une famille, d'une région, d'un village. Le premier commandement qui donne à Israël, si tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Tu ne te prosterneras pas et tu ne les serviras pas. Car je suis l'Éternel, le Dieu jaloux. Donc quand quelqu'un se prosterne devant une idole, devant la création, devant un acte, devant. N'est-ce pas, une rivière,
pour dire rivière, je viens mon Dieu. Directement, Dieu quitte la famille de ces personnes. Parce que tu ne peux pas laisser Dieu et puis dire que la création, ce qu'il a créé là, c'est ce qui est Dieu. Tu te fous de lui. Tu m'as dit ceci? On ne le respecte pas. Il dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma part, car je suis un Dieu jaloux. Tu es jaloux. Qui a partagé? Hein? Oh, je, moi, je suis beaucoup contre la polygamie. Je vois quelqu'un qui dit, la polygamie, c'est n'importe quoi comme enseignement. Amen. C'est n'importe quoi comme enseignement. Je vois quelqu'un qui prêche sur les réseaux, il parle, il dit, un bon chrétien, il doit se marier à deux ou trois femmes. Pour libérer, parce qu'il dit que chaque femme a trois hommes, elle est prostituée. Vous voyez comment il explique? Et quand un homme a deux ou trois, quatre ou plus, il n'est pas prostitué. Et les gens écoutent, hein? Il est beaucoup écouté. Oh là, peut-être vous ne savez pas, non, vraiment, mais sur les réseaux, souvent, on regarde les choses. Mais ce n'est pas d'hérésie. Les gens aimeront ce qui leur plaît. Ils aiment bien. Les gens aiment bien avoir deux ou trois femmes. Les gens aiment bien ça. Encore il dit, tu peux être chrétien, aller dans un bar noir. Tu ne vas pas en faire. Au contraire, tu vas au paradis. À ce moment. Depuis quand, enfant de polygamie, on touche à tout le marché. Le problème, ce n'est pas dans la Palestine, c'est Ismaël avec Isaac. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. La vieille dit, ah, je suis trop vieille. Il faut aller vers Agar. Le vieux est allé une nuit visiter la servante. Elle a eu bébé. Amen. Dieu dit, non, 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 c'est pas lui l'héritier. Non, c'est derrière Sarah que tu auras un enfant. Chasse! Il y a commencé à avoir un problème. Parce que le vieux partait toujours chez la petite. Abraham était toujours chez la petite. Elle a dit, nous, mes intérêts sont menacés. Et Dieu dit, chasse. Elle est partie. L'enfant qui est né, on l'appelle Ismaël. Les Ismaélites, c'est les musulmans, c'est les Arabes. L'enfant qui est sorti d'Isaac et de Sarah, c'est Isaac, c'est les Juifs. La lignée des Juifs. C'est les deux conflits aujourd'hui dans la Palestine. Depuis quand une famille polygame réussit parfaitement? Il y a toujours conflit. Amen. Amen. Pour donner un exemple, il dit, Dieu me dit, il est un Dieu jaloux. Comment toi tu peux avoir Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et puis toi tu peux aller avoir un fétiche, et tu penses que les deux vont composer ensemble? Jamais. Ça ne marchera jamais. Dis à quelqu'un, ça ne marchera jamais. Vas-y, saisis. Amen. Amen. Ça sont les ruches du diable. Oh non, Dieu dit, il faut t'aider. Sinon, il ne va pas t'aider. Si tu ne t'aimes pas, il faut aller prendre ça un peu. Pour serrer ça ici, pour mettre des talismans, Dieu va s'asseoir pour te regarder. Dieu, il est esprit. Dis amen. Amen. On a droit à l'esprit et à. Amen. Pour que tu aies un Dieu dans ta vie, il te protège. Donc, c'est ça, mon Dieu. C'est ça. C'est simple comme ça? Oui. Vous savez, je vais vous conter une histoire. Je suis allé prier pour quelqu'un. Prier pour quelqu'un. Et comme on a bien posé les relations prophétiques, j'ai pris une bouteille de lui, j'ai laissé ça sur. Le gars m'a regardé. Il dit, papa, tu as su que la petite bouteille, ça veut mon problème, ça veut régler ça. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il dit, mon poulet, là, c'est costaud. Ton nuit, là, ça peut régler ça. J'ai dit, non, ça ne peut pas régler. Voilà. Pour voir sa foi, je suis allé prendre 15 litres. Je me suis encore amusé. Hein. J'ai dit, après, on a prié, prenons ça. Et puis, on a
Verset 6 à suivre. Vous voyez pas. C'est qu'il est sans... Il est délivré. J'ai dit au frère, j'ai dit, tu as vu. Vous voyez les gens, leur imagination, ils n'ont pas la foi. Ils pensent que c'est la quantité de la chose. Or, c'est la foi. Amen. 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 Il a vu un petit bouquet, un petit. Il a mis ça sur, il a regardé. Papa, qu'est-ce que c'est ça? Mon poulet, là. Petit bouquet, là. Je suis là, ce conseil, là, plus de bouquet, là. Oui. Quand j'ai marché ça, je le voyais tomber déjà. Parce qu'à quoi de la bouteille? La dimension de la bouteille. Non, oui. Le... Quand ça l'a touché. Ah. Amen. Amen. Mais frère, Dieu n'est pas souvent dans certaines choses. C'est une question de foi. Dis amen. Amen. C'est une question de foi. On vous dit, Dieu ne se mélange pas. Alors, quand il y a Dieu dans ta vie et quand tu vas prendre le fétiche, Dieu quitte ta maison. Amen. Il y a des gens qui savent de l'homme qui n'ont pas le fétiche. Ils ne voulaient pas. Est-ce que vous voulez les juger et tout ça? Mais non, il y a des problèmes que je mets en gouvernance. Les enfants africains, quand ils naissent, on les met les talismans. Mais il n'y a pas un enfant africain qui va naître, on ne met pas les choux dans ses reins. C'est pourquoi non? C'est pour le protéger. Mais protéger, on ne peut pas. La question est posée. Non, si on ne met pas les choux, c'est pas pour ce qui a dit ça. C'est un cycle normal, c'est pas évolué à un moment donné, c'est quand on sortit, il va évoluer, il va grossir. Mais comme c'est notre tradition, et tout ça, ça agit. Tout ce qu'on idolâtrie, qu'on a pratiqué dans nos familles, dans nos régions, ont forcément un impact négatif sur nos vies. On dit amen. Amen. Et ça fait que par moments, les esprits la crient contre nous et qui nous mettent en retard. On dit amen. Amen. On pratique l'idolâtrie, Dieu dit du maison. Le jour. Tu vas envoyer un fétiche, c'est fini. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Tu quittes la maison. Amen. Amen. Bon, toi, tu peux être oublié, n'est plus adoré. Les parents ne l'adorent plus ça. Mais l'esprit peut continuer de contrôler votre vie. Subtilement. C'est ça qu'il y a plus tard du temps quand tu dors, tu as l'impression de te voir dans les rêves, dans deux loups. Il y a des gens qui sont en Europe, mais tout leur rêve, c'est au village. Ton esprit dans la conseil. Et tu te réveilles, tu restes fou à foi. Tout le monde disait que tu étais très bon. Tu étais dans le. Toi me disais, dans le rêve, tu étais près de la cage de Dagobert. Tu vois que la six cages de ton papa, qui sont cassés là, c'est là que tu es. Ça veut dire que quelque part, ton âme, ou bien les rêves qu'on a fait souvent. C'est les choses, c'est les enseignants, c'est les messages. Ça veut dire qu'il y a un esprit doté qui contrôle ta vie. Si ton père, tes parents, vont adorer de l'eau, c'est fort possible que tu vois de l'eau dans tes rêves. Est-ce qu'on va bien écouter? Et si tes parents vont adorer, n'est-ce pas? Il y a des gens qui dorment, ils se voient, ils sont pleins de cailloux. Chez nous, il y a des gens, les hommes que les gens adorent les rochers. Quand ils voient, il y a des gens, eux, leur zone là, c'est adoré de l'eau. Amen. C'est l'idolâtrie, c'est l'esprit qui nous fatigue. Amen. Ça nous fatigue tellement que ça ne fait pas avancer les gens. Ça crée une soi-disant blocage dans notre vie. Ça crée un système qui fait qu'il y a un ralentissement dans notre destinée. On se marie, on a un problème. Monsieur, madame, t'es pas là. Parce qu'il y a l'hôtel de l'autre qui parle comme l'autre. Amen. Il y a un frère qui me disait, comme ça, mon papa, mon hôtel a fait que ma femme blâche dans les pieds. Amen. Ma femme blâche dans les pieds, comme ça, le lien, je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie de descendre. Va, dans l'air, j'ai dormi. Ma tête vient pleurer, le mec. Et papa, c'est pas sa faute. L'enseignement de l'hôtel, c'est moi. Amen. Souvent, c'est les esprits. Qui influence ton conjoint ou ta conjointe. C'est ça qui, pendant, il faut regarder, il ne faut pas regarder l'aspect physique de la chose. Celui qui est trop charné, il perd le combat. Le combat est plus spirituel. La personne qui réagit. Mais au-delà de cette réaction, si vous êtes mariés, vous êtes unis par amour. Vous comprenez? Et donc, pourquoi, du coup, une réaction bizarre de sa part? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, cette chose, quand ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un esprit.
qui vous combattent, qui arrivent à vous combattre, et qui a une raison sur vous. Amen. Pour ça, nous avons forcément et nécessairement passé par la délivrance. Et on a expliqué que Jésus-Christ est d'abord agneau de Dieu. On dit amen. Amen. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Pourquoi on dit agneau de Dieu? Pourquoi on dit agneau? Agneau parce que c'est lui le sacrifice sur l'autel. Et là où Jésus-Christ est mort, on appelle ça mon Golgotha. Et l'autel appelé haut lieu. C'est ce qu'on appelle haut lieu. C'est pour ça que partout, dans l'esprit des gens, il y a toujours ici, c'est ce qu'on appelle l'autel, c'est toujours haut lieu. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus-Christ est parti à la croix en tant qu'agneau de Dieu. Amen. Amen. Il est mort comme sacrifice pour nos péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Gloire à Dieu pour ça. Et gloire à Dieu. Gloire soit rendue en ce moment pour ça. Amen. Amen. Mais un hôtel n'est jamais fit. Pour ça, vous allez toujours voir que chaque mois, ou même à l'apparition de la nuit, ou même à l'apparition de la pleine nuit, les gens viennent toujours renouveler un sacrifice sur leur hôtel. Amen. 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 Et la Bible dit quoi? Dans Romains chapitre 12, il dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Il sera pour toi un culte raisonnable. Il faut offrir ton corps. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Vous savez que quand tu es chrétien, quand tu deviens Christ, tu deviens, tu es dans le Seigneur, ta vie va sur le contrôle de la parole de Dieu. Amen. Tu ne dois plus faire ce que tu veux, tu dois faire ce que Dieu veut. Ils ont appelé le sacrifice. Le sacrifice n'est plus père de lui-même. L'animal qu'on prépare sur l'autel, il n'a plus le droit à dire. Amen. Amen. Par l'autel de Christ, offre-moi un sacrifice sur l'autel de Christ. Offre-moi un sacrifice sur l'autel de Christ. Comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que ta bouche doit être la voix de Dieu. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas critiqué, ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire leur bouche, là, ça va être là. Le Seigneur va chipoter ça un matin. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle la calomnie. Calomnie une personne, c'est un cri de sang. Ça, je vous ai bien expliqué ça. C'est pour ça qu'il faut éviter de calomnier quelqu'un. Je n'étais pas là. C'est des trucs, c'est l'Évitique. L'Évitique 19, verset 17. C'est ça, 16, 17. Vous allez comprendre que, calomnie, ne répond pas les calomnies parmi ton peuple. Amen. Voilà. Ne répond pas le sang. Calomnier quelqu'un. Parce que quand tu parles mal de quelqu'un, c'est que tu le ressens dans son corps, c'est son âme qui est affectée. C'est comme si tu es en train de répandre son sang. Et c'est pour ça que quand tu te convertis, il faut que ta bouche soit pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui sort de sa bouche. Et la personne qui apprend à contrôler sa bouche, il est puissant victoire. Les gens, ils ont ce proverbe. Contrôler la bouche. Contrôler la pensée. Il faut savoir contrôler ta pensée et ta bouche. Ta bouche ne va pas dans les mêmes choses. Quand tu te convertis, on voit ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas les gens, et les gens quand ils les écoutent, ils sont toujours en train d'annoncer de nouvelles. Ils disent, j'appris de ça. Et c'est eux toujours qui apprennent des choses à dire. C'est eux toujours qui ont des choses à dire. Ta bouche doit être la gloire de Dieu. Louange, adoration, annoncer les bonnes choses. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ton bras doit pour la gloire de Dieu. Tes pieds doivent pour la gloire de Dieu. Tu dois vivre pour la gloire de Dieu comme un sacrifice vivant. Quand c'est comme ça, ton hôtel devient puissant. Amen. 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 Sinon, le diable, ton ennemi qui adore le diable, qui est dans le feu de Jésus, s'il découvre que toi-même, en tant que soi-disant chrétien, qui pèse des mains, soi-disant chrétien, parce que tu es un chrétien ou non, fréquenter les églises, écouter la parole de Dieu, et puis toi-même, tu n'es pas un sacrifice vivant sur terre. Parce que ta vie ne glorifie pas Dieu. Chaque jour, tu sois une critique. C'est vrai que tu as suivi avec l'église. Tu viens chaque jour à l'église. Tu es fidèle dans les choses. On te voit constamment. Mais la vie que tu mènes n'est pas pour la gloire de Dieu. Le féticheur ou même ton voisin qui pratique le fétiche peut te tuer. Je vais vous expliquer un peu l'image des Moabites. Les Moabites sont venus comme ça. Que le Moabite, il vient offre, n'est-ce pas, son fils, parce qu'il est en guerre d'Israël, il prend son fils aîné et met ça sur le corps, sur l'autel, en sacrifice, et ils ont pu vaincre Israël à cause de ça. Frère, si toi-même ta vie n'est pas à la gloire de Dieu, Dieu ne pourra jamais te soutenir. Amen.
Deutéronome le chapitre 28, le verset 7. On peut me lire, pasteur. Deutéronome chapitre 28, le verset 7. Les notions éternelles, je prie, je n'ai pas de victoire, j'ai l'impression que c'est l'ennemi. On peut prier pour toi, mais si ta vie ne glorifie pas Dieu, le sorcier ou l'ennemi peut avoir une victoire sur toi. Verset combien? À partir du verset 7. 7. Est-ce que monsieur un peu? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. D'abord le verset 1. Écoutez bien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Arrête là. En pratique, c'est très important, oui, vas-y. Tous ces commandements. Oui. Que je te prescris aujourd'hui. Je t'arrête là-dedans, verset 7. Qu'est-ce que ma vie, ça dit? L'Éternel, te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Dis amen. Amen. Si tu obéis en observant et en mettant en pratique. Je ne suis pas seulement de dire observer, lire. Il dit aussi qu'il y a la pratique. Il y a la pierre et la pratique. C'est ça qui bloque souvent les gens, la pratique. Amen. Amen. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu vas dire Dieu. Mais tu es toujours dans les choses qui ne sont pas la voie de Dieu. C'est toi toujours qui vient à la vie des gens. C'est toi toujours qui est dans les conneries. C'est toi toujours qui est dans, dans la magouille. C'est toi toujours qui est dans les choses massées. C'est toi toujours qui est dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. À un moment donné, frère, il faut arranger ta vie. Il y a quelqu'un à un moment donné, arrange ta vie. Amen. Parce que la bénédiction, amen, dépend aussi de toi, de ta conduite avec Dieu. Amen. Elle est conditionnelle. Amen. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, il dit si tu obéis en observant et en mettant en pratique les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Allons-y, le verset 7. Le verset 7, oui. Ils sortiront. Non, non, l'Éternel, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Dis amen. Amen. Il te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Le diable, il te connaît. Tu as été le diable qu'on est chacun dans vous. Vous avez la amen. C'est publiquement prouvé. Les filles de Séba sont allées chasser un démon. Il y avait sept. Ils ont dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Paul pêche, démon sort. Le possédé, il a levé son tapis. Il s'est bien positionné. Il dit, je connais Paul. Et je connais Jésus. Vous qui êtes, toi-même qui prie, qui es-tu? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est très profond. Qui es-tu? Parce que quand le démon il te pèse, il regarde ça, il sait que toi, toujours tu es dans les critiques, toujours tu es dans les choses malhonnêtes, toujours dans les choses malsaines, toujours chez toi. Hein? Vous voyez, vous pensez que Dieu ne peut pas, Dieu, pour que Dieu te bénisse, il n'y a pas de responsabilité dedans. Pourquoi depuis on prie pour moi, les démons m'attaquent, mon frère, quand tu viens à ta vie, ça va pas les yeux. Toi-même qui regarde ta vie, est-ce que le nom de Dieu dit, si tu obéis et tu mets en pratique la parole de Dieu, tu auras la victoire sur tes ennemis. Quand tu n'as pas la victoire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que toi-même tu n'arrives pas à observer et à mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que ma vie saisit? Amen. Ma vie saisit? Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a un seul qui me dit, il y a des noms qui sont venus chez moi. Mais comment c'est chez toi les gars? Papa, les démons. Les démons, ils ont encouragé les venir chez moi. Mais s'il y a des choses qui sont intéressantes chez toi, voilà, il leur donne accès à ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si la police est en chez toi, s'il y a des choses qui les empêchent chez toi. Chercher quelque chose. Amen. Ça, les démons viennent chez
le péché, cette vie de désordre qui le conduit chez toi. Amen. Donc si tu veux que Dieu sécurise ta vie, tout dépend de toi. Tiens, regarde, tout dépend de toi. On va bien saisir. Tout dépend de toi. Alors, il a prié pour moi. Mon frère, on peut prier pour toi. Dans un premier temps, Dieu peut dégager les choses de ta vie. Mais toi-même, quand l'esprit vient, la Bible dit quand il sort d'un corps, il revient après regarder. Si tu vois qu'ils ont prié pour toi, mais toi-même, tu n'es pas chanceux selon la parole de Dieu. Il sait ça. Amen. Il sait ça. Et la seconde condition, il devient prier par toi. Amen. Tu m'as bien saisi. Amen. Maintenant, ça allait avant. Maintenant, c'est les pires. Parce que tu n'as pas pu organiser même ta vie en ordre. C'est pour ça qu'il dit que celui qui va me suivre, n'est-ce pas, il s'échappe de sa croix. Qu'il renonce à sa personne. Il faut renoncer. Tu n'as plus de vie quand tu es avec Christ. Derrière lui, c'est comme ça. Tu dois vivre le Christ. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. Sinon, tu seras vulnérable face aux attaques de la sorcellerie, face aux attaques des ténèbres. Je disais ça à une soeur, je dis, moi-même, quand Dieu attaque, je suis toujours attaqué. Je dors dedans, je me réveille dedans. Souvent, j'aurais dit, venez, je suis là, venez négliger. Pareil, je sais, ceux qui, mes pieds sont posés. Amen. Il y a des attaques que j'ai vues. Je vis, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Toi-même, tu réfléchis. Mais Dieu, l'esprit même sait, il connaît ma foi pour le Seigneur. C'est pour ça que chaque jour, je prie et je dis, Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. C'est la seule chose qui me protège. Ce n'est pas une question de marichal, de tant. C'est la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, il te protège. Amen. Toi, tu vas avoir la haine comme quelqu'un. Et tu as dit, Seigneur, protège-moi. Le diable te tue. Amen. Amen. Tu vas chercher à mettre les bâtons dans le roue de ton collègue de service. Tu cherches à me nuire. Ou bien tu cherches à nuire à la vie de quelqu'un. Et tu veux que Dieu te protège. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu penses que Dieu est malade. C'est comme on observe et on met la parole de Dieu en pratique. Que Dieu nous protège. Tu ne sais pas le fétichisme. J'ai aussi une condition. La seule condition, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que tu vois, mais quand tu regardes mon cœur, avant de demander une guérison de la part de Dieu, avant de demander une délivrance, d'un envoûtement quelconque, est-ce que tu es prêt à te séparer de cette chose? Toutefois qu'Israël recevait une attaque de la part de l'ennemi, et qu'Israël, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, que l'ennemi a la victoire sur Israël, c'est qu'il y avait des obéissances. L'alliance qui a trouvé Dieu, c'est une alliance d'obéissance. Cette parole, elle me conseille, elle me conseille. Amen. On est dedans tous. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on est devenu vous attaquer la société. Amen. Si moi je vous explique les attaques que j'ai vues, allez, non, ce n'est pas le cas. Maintenant, pas la même fois. Moi, il y a des choses que je vois. Au début, ce que je voyais, ça prend des gens fous. Ça prend des rappels. Je suis en train de marcher, je vois tout le monde, je ne sais pas si c'est des airs que je suis en train de voir. Je suis là. Et les gens viennent. Oh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il vient comme ça, de pas des milliers. Souvent, j'ai le chauve-souris. Et puis, je vois, il chante de fort. Et je suis dans ma voiture. Sauf ça que souvent, quand ma voiture, je ne la roule pas. Je suis dément. Moi, je dis, c'est mon chauffeur. On dit, mais j'ai dit, je peux faire des bancs comme GPS pour scanner les trucs parce que je ne sais pas où on va les partir. Amen. Amen. Souvent, j'ai dit au chauffeur, reste tranquille. Lève-moi, il ne comprend pas. Reste tranquille. Parce que souvent, il y a des choses. Frère, le monde spirituel existe. J'ai eu cette grâce de la part du Seigneur de me faire voir des choses. C'est horrible. Il faut avoir une option spéciale pour supporter ça. Quand les gens parlent mal, ils voient les choses. Mais cette vérité, ils voient ça. Je ne sais pas si je délire, ouais ça, mais quand tu n'es pas fort spirituellement, ça peut te tuer. Ça peut t'envoyer dans d'autres, ça peut dans une dépression. Parce qu'il y a des esprits, si tu vois tout, tu deviens fou.
tu déprimes. Oui. Parce qu'il y a un monde spirituel qui existe, c'est une réalité. Amen. Amen. Je suis dans la voiture, mais non, c'est pas parce qu'il est déprimé, mais je vois, j'ai un Dieu, j'ai un monde spirituel. C'est grâce d'abord, c'est. Il n'était pas comme ça, il m'a fait la grâce. Et j'ai dit, je peux rester tranquille. Reste tranquille. Heureusement, mon chauffeur, c'est un musulman. Si j'étais chrétien, si j'étais mort, on dit, j'aime le feu, je veux faire une bataille de feu. Il va venir délivrer à moi. Oh, le musulman, quand il reste tranquille, il est dans son roi. Oh, le chrétien, c'est un spirituel, il va venir faire le fer. Il reste tranquille. Moi, j'ai libre de combat tranquille. Je remonte, je n'explique rien. Oh, c'est le chrétien, il va me demander d'expliquer ce qu'on vient de voir. Il va me retarder. Rien. J'ai vu tellement de choses, tellement de choses. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il ne serait pas aujourd'hui. Si le diable accepte la maison, si le diable te fait tomber du lit, si le diable arrive à te frapper, si le diable arrive à te manœuvrer, c'est qu'il a une raison. C'est qu'il sait que toi-même, ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je m'avais saisi. Amen. On a prié sa lait. Mais hier, là, ils sont mis dans mes pieds. Oh, dans mes pieds, dans mes bras. Frère, il y a des territoires qui ne peuvent pas jouer ça. Les esprits. Et ils s'en méchant. Il n'est pas, ce n'est pas pour musulman. C'est pour venir te détruire. Ce sont des esprits destructeurs. C'est pour ça que ta vie doit être en conformité à la parole de Dieu. Amen. Si tu n'es pas prêt à marcher selon la parole de Dieu, ne cherche pas la délivrance. Il faut partir. Il faut rester comme ça. Est-ce que je m'en ai Amen. Si tu n'es pas prêt à changer de vie, il ne faut plus venir sur le chemin de la délivrance. Amen. Voici comment les chasser. Et ils sont fâchés. Et ils vont partir. Ils vont se préparer pour venir. Moi, j'ai parcouru beaucoup de villages, beaucoup de choses. Il y a des hommes qui sortent et j'ai l'impression qu'il y a des bouteilles dans mon corps. Et puis, mais qui m'a envoyé là? C'est quel travail ça? C'est quel travail? Quand tu dors, tu as l'impression que tu dors sur des bouteilles, des bouteilles. Moi, j'ai vécu ça. Et j'ai pris. Parce qu'il y a des démons, eux, sur un territoire. Que tu es Jésus-Christ ou pas, ils vont t'attaquer. Maintenant, ça parle de téléphone. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Pourquoi les démons ont toujours raison sur toi? Ça dépend de ta propre vie. Ta vie. On peut prier pour toi. Jésus peut, dans un premier temps, c'est un ministère, c'est un truc. Mais est-ce que, après la délivrance, est-ce que toi-même, tu règles ta vie? Amen. Est-ce que tu recherches à arranger ta vie? Sinon, on t'attaque. Il continuera toujours là. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Amen. Vous savez que quand tu veux entrer sur le domaine de la délivrance, il faut chercher à penser d'abord à régler d'abord ta vie. Il faut être prêt à changer de vie. Tu n'es pas prêt à changer de vie, on ne rentre pas sur le terrain de la délivrance. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ne cherche pas à rentrer là. Parce que les démons m'ont relevé. Plus grave. Est-ce que vous m'avez saisi? Parce que les démons vous connaissent. Ils connaissent chacun d'entre nous. Amen. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut approfondir cette délivrance-là. Non seulement ça, à t'attacher au Seigneur, mais à connaître ton histoire. L'histoire des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Et prier Dieu pour délibérer de toute cette présence, de ces liens, de ces trucs bizarres. Pour que ta vie puisse évoluer. Parce que leur malédiction peut même influencer leur tête, peut influencer ta vie. C'est comme ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Des endettements spirituels. Tu es là et tu as l'impression que tu es toujours dans un problème de pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas forcément. C'est une question. C'est-à-dire, si tu as 100 000 euros, 1000 euros, des jours après, tu n'as pas 2 euros. Un pauvre, celui qui est constamment dans les besoins, c'est ça la pauvreté. Quelqu'un qui est riche, il a toujours mangé, il est comblé de bien.
ils ont cet esprit de pauvreté, d'endettement sur leur vie. Amen. Amen. Parce que la réalité, c'est comme ça. C'est pour ça que Jésus-Christ, à la croix, il a résolu tous ses problèmes. Il a détruit tous ses problèmes de tout ça. Toi qui existes toujours, c'est toi qui as un problème, toujours moi-même, un héros. Pour... Tout ça, ce sont des esprits. Les esprits qui nous empêchent d'aller travailler, ce sont les esprits. La seule chose qui peut faire que tu vas obéir, c'est le travail. Il dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc en réalité, celui qui ne travaille pas, il ne doit pas manger. C'est un commandement de Dieu. Bon, tu travailles, tu travailles, tu ne manges pas, quoi. Ça dépend de ton fils. Il peut aussi avoir une raison spirituelle derrière. C'est pour ça qu'il faut se faire délivrer. Nous avons essayé de voir dans deux rois, le chapitre 4. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Ça va? Amen. J'ai quelqu'un, je bénis. J'ai quelqu'un, je bénis. Amen. Amen. J'ai quelqu'un, je bénis. Amen. Deux rois, chapitre 4. Oui, deux rois, chapitre 4. Oui, verset 1. À partir du verset 1. Une femme. On avait déjà vu ça. Oui. Une femme, donc les femmes des fils d'un prophète, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Son mari faisait quoi? Il craignait Dieu. C'est-à-dire, il marchait aussi dans la parole, selon la parole de Dieu. Très bien. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Et le créancier est venu, quelqu'un qui marche avec Dieu, qui meurt avec les dettes. Élisée lui dit, très bien. Il dit, le créancier est venu prendre les enfants pour en faire deux des esclaves. Amen. Ce fait que non seulement ça, et je te le dis, non seulement ça, tu dois aussi mettre la parole de Dieu en pratique, mais tu dois approfondir ta délivrance. Amen. 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 Pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans le domaine du mariage? Parce qu'il y a des gens que destinés dans leur famille, ils ont donné cette vie-là à Dieu. Être à leur Dieu. Ils ont entendu ça. Et les gens, quand j'avais quelqu'un, ça marche. Et puis, à un moment, quand il y a la fête de mariage, ouh, d'accord. Vous voyez, quand ils sont en fête de mariage, c'est pas là seulement. Pas là. J'ai toujours dit, l'endroit où on ne peut pas parler, c'est dans les foyers. Amen. Amen. Là-bas, on se chérit. Là-bas, on a tous les chéris. Là-bas, on se dit des choses dans l'oreille. Là-bas, on fait des bonnes choses. Amen. Ça va? C'est dans le foyer. C'est pas ailleurs. C'est un moment où on doit bien parler à monsieur, madame. On doit changer d'humeur. Toi, tu t'élèves, tu as toujours du coup, tu as de mauvaises humeurs. C'est quoi ça? Même j'étais, c'est devenu pas là. Bisous, c'est pas là. C'est quoi ça? Dans le foyer, c'est l'endroit où monsieur et madame. C'est vrai que dans un premier temps, il va y avoir des histoires parce qu'on ne se connaît pas. Amen. Mais je suis, il y a des gens qui sont très désordonnés. Amen. Il peut mettre la chaussure loin là-bas. Et la femme qui est bien ordonnée, bien venue. Mais ça dépend de l'éducation. Chacun a reçu. Amen. Oui, il y a des gens, là je suis, et il met ça, il cherche. Il ne sait pas où l'a mis chaussette, il ne sait pas où l'a mis la montre, il ne sait pas mettre la truite sacrée. Mais elle a beaucoup de douceur. Amen. On va que Dieu bénisse. C'est pour ça que la femme est une mère. Et les hommes sont des bébés. Dis amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Nous sommes dans vos bébés. Amen. Arrangez-nous. Amen. Donc c'est l'endroit où on doit bien régler. Or, quand vous rentrez dans une tête, dans un mariage, c'est pas là. Dis-moi, pas là, dis-moi. Et on n'apprend plus à se maîtriser. C'est qu'il y a un esprit derrière. Tu te réveilles matin. Chérie, ça va? Laisse-moi. Ça va, chérie? Laisse-moi. Il y a quoi? Oh, je n'ai pas envie de parler. C'est pas sur celui qui a commencé. La personne à qui tu dois parler, c'est celle qui doit mourir. Amen. 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 On dit amen. Amen. Tu parles à ton mari. Ton premier confident, ton mari, l'homme, ta première confidente, c'est ta femme. Amen. Et sur ça qu'on dit un homme. On dit la nuit, pas qu'on ne sait pas les oreilles qui vous donnent les conseils. Oui, c'est les oreilles. C'est la femme. C'est que tu ressens
Seigneur, exclue ça de la femme. Il y a des choses que la femme doit, vous voyez que les femmes puissent vous défendre, dites tout à votre femme. C'est-à-dire, dites tout, même si c'est mauvais, dites tout. Amen. 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 Mais dis-nous, c'est la meilleure qui peut te protéger, qui peut te délivrer. Amen. Même l'argent. Amen. Viens ma main derrière là-bas, façon, façon. Pourquoi c'est pour l'argent là? Pourquoi c'est pour l'argent là, la main est venue? La main est venue trop dangereux. Viens, pourquoi ça fait de l'argent là? C'est trop dangereux. Amen. Non, c'est. J'ai ça. C'est d'abord. Ça ne tombe pas ça même. Fais ça. La grille, ma femme là, tu la connais. Elle dépasse, hein. Il me faut l'éduquer. Amen. Oui, non, c'est pour l'éduquer. Ça dépend de comment vous êtes rencontré. Il faut l'éduquer. La femme, généralement, elle sait des choses. Ça dépend de l'éducation de la femme. Ça dépend de la femme. Elle sait. Elle sait ce que j'ai. Elle doit savoir ce que j'ai sur mon compte. Elle sait ce que j'ai. Et moi, je n'ai pas. Problème d'argent, je n'ai pas ce problème. Je prends, j'ai l'argent. Elle doit savoir ce que j'ai. Il y a des gens qui. C'est leur problème, ça. Ils ont l'argent, c'est la porte de course après. Ah, ils ne touchent pas là-bas. Ça, c'est la société. Amen. C'est dit, c'est ça, la femme doit tout savoir sur l'homme et l'homme doit tout savoir sur la femme. Amen. Il faut une complicité dans le foyer. Nous devons nous entendre dans le foyer. Le foyer, c'est la chose la plus difficile. C'est pour ça que c'est les gens mûrs qui gèrent ça. Ah oui, quand vous rentrez là, mon frère, on doit devenir une seule personne chère. Chère, c'est ta chair. Tu gâches. Tu es venu, tu gâches. C'est qui va cacher la main qui devient une nuit de maïs? Qu'est-ce que tu caches? C'est qui va cacher là? Elle voit ça. Désolé, excusez-moi de parler comme ça, pour vous aider à comprendre un peu l'avancée. Amen. Ce qu'on cache là, toi tu montres ça. Et c'est l'argent. C'est pour ça que comme je disais toujours, je dis dans le lit, ce n'est pas un cadre de prière. Le lit n'est pas un centre. De délivrance. Le lit, on ne prie pas dans le lit. Quand monsieur et madame mort dans le lit, c'est pour s'embrasser. C'est tout. Amen. Chers les enfants. Dans le lit là-bas, arrêtez là, le Seigneur, démon est venu. Non. Le démon, vous le priez à côté. Quittez le lit, priez. Quand vous montez dans le lit, monsieur et madame sont dans les bras, vous dormez et vous faites ce que vous devez faire dans le lit. Amen. Je ne peux pas lui faire prière d'intercession. Non, laisse-moi, je change l'esprit, je prie. Tu es prophétesse ou bien? Amen. Quand le prophétesse est respect de lui. Le lit est respect de lui. Il y a un temps pour tout chose. Le lit est fait. Ne jouez pas le lit. Le lit est fait pour dormir, s'embrasser. Ça, c'est le lit. Intercession. Pourquoi vous allez tout spiritualiser? Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. 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 Je chante en enseignant avant de vous dire, il faut qu'il y ait une complicité dans le foyer. Amen. Une complicité. Quand il y a la chair, vous devez une seule chair, c'est ça. Ce que l'autre ressent, l'autre doit ressentir ça. Amen. Vous ne devez rien vous cacher. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, ne vous engagez pas sur le terrain du mariage. Ce n'est pas la peine d'ailleurs. Amen. Non, 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 ce n'est pas la peine. De vous embarquer dans le mariage. S'il faut que vous partez, vous cachez les choses, des cacheteries, n'allez pas dans le mariage. C'est bon. Parce que tu viens avec quelqu'un, il ne sait rien de toi. À un moment donné, il faut être mûr. À un moment donné de ta vie, il faut tout dire à ta femme. Dis-le ça. Vous devez vous supporter. Vous devez vous soutenir. Ce sont des choses chères. Amen. Là, il va Amen. Ça appelle beaucoup la vie. C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié, mais j'ai fait un regret. Tu vas faire un regret. Ta femme, c'est là. Amen. Amen. Vous me regardez. Amen. Vous me savez ce visage de Dieu. Mon message est votre visage de Dieu. Non, mais vous êtes ensemble. La Bible dit une seule chair.
tu partageras à ta femme, vous délivrez une chair. Chair. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour ça, il prend ta femme, continue les histoires, parle avec elle. C'est ta confidence. Comment parler de ta femme? C'est ton ami. Amen. Tu as déjà vu dans un foyer qui vient prendre, c'est de la vache. Le monsieur dernier, la femme est dévorée, c'est quoi ça? Jamais sont là dans les restaurants, ils ont mis une série. C'est quoi ça? On dit amen. 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 Alléluia. Amen. Le monsieur, vous voyez, c'est ça. Vous ne pouvez rien cacher. Si tu n'es pas prêt à aller dans ce petit terrain, ne t'envoie pas sur, dans le domaine de mariage. Prenez pas l'autre. Tu dois supporter ta femme. Et ta femme doit te supporter. Elle doit tout savoir. Elle ne va pas apprendre ça après. Tu as une information de taille, informe ta femme. Il ne faut pas qu'elle apprenne ça après. Informe-la déjà. Et ton mari doit t'informer, il doit tout savoir. C'est comme ça. Voilà. Il ne faut même pas aller dans le foyer, ne laissez pas quelqu'un entre monsieur et madame. Ça n'existe pas. Les intermédiaires, viendront toujours pour des jours au foyer. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est pour ça qu'on l'a dit, l'homme quittera son père et sa femme. C'est pour ça qu'à un moment donné, le père et la femme, les parents ne peuvent pas intervenir dans un problème de foyer. N'envoyez jamais vos parents dans vos histoires de foyer. Non. Ils vont toujours prendre parti. Qui est malade? Tu vas me dire comme ça, hein? Ton enfant là, il m'insulte. Toi-même, tu es sa maman. Tu vas d'abord défendre ton fils. Ou tout ce que tu dis est vrai. Mais va le défendre. C'est ça qu'un parent ne peut pas venir s'ingérer dans un problème de famille, de foyer, c'est pas possible. Après, vous pouvez nous régler un problème de couple, c'est pas la peine. Nous sommes des êtres humains, tout est arrivé. Mais vous devez être en mesure de régler ça. C'est pour ça que ces deux personnes, lui, ils sont capables de supporter les choses qui se mettent. C'est pour ça qu'il ne peut pas, c'est l'autre qui vient en train. Ton mari vient de la vieille mal. Arrête sa chaussure, tu ne peux pas faire les chaussures. Il a fait, ah, tu as fait. C'est dans le frigo, va changer ton plat. Tu ne peux pas changer, ah, tu n'as pas fait, ah, c'est moi qui attends. Ah, puis tu regardes, nous voilà scellés. C'est mon fils, là, nous voilà scellés, tu l'as su. Hein? Il a su, amen. Et ton mari, là, il a fait. Nous voilà scellés avec ton fils, là, tout ça, tout ça. On parle des femmes, des hommes, tout ça. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez dit que les prières des esprits. S'il y a des esprits dans votre vie, le couple, priez pour que Dieu vous éloigne ça. Il y a des gens, leur vie s'est influencée tellement par les esprits. Quand vous commencez même à être copain-copine, vous voyez ça malheur. Les esprits commencent à vous menacer. Vous dites, la femme que tu as là-bas, le monsieur, j'ai dit, moi, un de mes fils m'a dit, ma femme bloque. Dans le lit, elle m'a chassé à 3h du matin. Elle m'a chassé. Elle dit non, elle s'est réveillée. Elle a crié sur moi, elle m'a chassé. Et puis matin, elle a pleuré, pleurer. Que le message qui va à l'hôtel, c'est moi. Il y a souvent des messages pour ça qu'il faut prier. Unissez-vous, monsieur et madame, vous devez prier. Et vous serez en face de vos destins. Si madame et monsieur n'arrivent plus à s'unir pour prier d'un problème, est-ce qu'on m'a bien saisi? Monsieur et madame ne doivent pas avoir un autre endroit où ils devaient prier ensemble, où ils devaient vous unir ensemble dans la prière. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ah mon frère, non, j'attends mon heure. Non, tu n'as pas d'heure. L'heure de ton mari est sur ton heure et toi, ton heure est l'heure de ton mari. Et si vous ne priez pas, il y a problème dans le foyer. C'est ça que vous devez prier. Pour que toute influence satanique soit brisée sur votre vie. Amen. 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 Tu as mis les prières, tu demandes la permission. Tu dis, je vais prier. Je vais conseiller pour prier. Et on se unit dans la prière. Et sauf que les démons, puisque vous ne priez pas ensemble, vous n'êtes pas unis dans l'esprit, les esprits vous attaquent. Parce que le combat que le diable met sur cette terre, c'est de désunir les gens. Amen. Le diable n'est pas les gens qui sont unis qui s'aiment. Ça, je dis ça aujourd'hui. Amen. Le diable attaque les gens qui s'aiment. Le diable attaque bien les bonnes choses. Amen. Amen. Tout était parfait dans le jardin, il y a eu attaque.
Adam et Satan avaient très vite dans le jardin. Il y a eu Adam. Alléluia. Pour ça, la seule chose qui peut aussi nous protéger, c'est la prière. Amen. Il faut prier. Il faut être inséré. Vous avez quelque chose. Priez. Ne vous laissez pas abattre. Priez pour cette chose. Un homme, une femme, un couple qui prie, surmonte toujours les difficultés. On dit amen. Amen. Un couple qui prie, surmonte toujours les difficultés. Parce qu'il peut avoir des réclamations. Ici, il y avait une réclamation. Les esprits réclamaient pour faire esclaves, pour faire des esclaves. Et la plupart du temps, les gens sont esclaves des esprits. Que Dieu nous aide. Amen. On dit amen. Amen. Il faut que Dieu nous aide à être libérés et que Dieu nous aide à bien mener notre foyer et à mieux mener notre vie chrétienne. Amen. 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 Ça va, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Souvent les gens viennent me demander, papa, je vais me marier. Est-ce que tu es délivré? Ah papa, je suis délivré. Est-ce que ta bouche est délivrée? Ah papa, moi ma bouche est délivrée. Parce que ta bouche soit délivrée. Tu es délivré senti, monsieur. Ah papa, moi aussi. Parce qu'à un moment donné, je ne suis pas arrêté. Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir et l'autorité sur les ténèbres. Amen. J'avais une soeur qui avait des problèmes d'attaque cette semaine. Elle m'a dit, papa, j'ai commencé à prier. J'ai invoqué, il dit, ange Michael, viens m'aider. Il dit, c'est ça qui est. Ange Michael, viens. Ange Gabriel, viens. C'est pas une prière. La puissance, le puissant nom qui peut chasser un esprit. C'est le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre nom. Les anges sont à notre service. Amen. Si Dieu n'a pas un ange, il n'a pas un ange, il ça c'est son problème. Mais la Bible dit que les âmes que Dieu nous donne, il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Il n'y a pas un démon qui peut résister à ce nom puissant de Jésus. Amen. C'est pour ça que quand vous êtes dans les rêves, quand un esprit vous attaque, vous dites le nom de Jésus, l'esprit vous veut le battre. Qui a dit ça? Beaucoup de personnes le disent dans leur rêve. Quand les esprits attaquent, c'est le nom de Jésus qui les défonce. N'invoquez jamais le nom d'un ange. C'est ça qui est. Quand vous priez, vous invoquez le nom d'un ange, c'est parce que Dieu vous a conseillé. Lisez toute la Bible. La Bible n'a jamais dit il faut invoquer le nom d'un ange. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Vivez la parole de Dieu. Qui a écrit la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? C'est le nom de Jésus seul qui peut nous défendre contre les esprits maléfiques. On m'a bien saisi. Et puis ta vie, elle aussi, elle est importante pour ta vie. Si ta vie est en conformité à la parole de Dieu, quand le démon lui te parle, il va avoir peur. Il saura qu'il a fait la chaîne de très souvent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? De Jésus, je commande
va libérer sa vie. C'est elle-là. Laisse-la rentrer dans ton mariage. Laisse-la rentrer dans ton mariage. Laisse-la rentrer dans ton mariage. Tu m'entends? Oui. Laisse-la rentrer dans ton mariage. Parler au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous voyez, vous pouvez être là et puis animé par un esprit. Vous pouvez être là animé par un esprit. C'est bien comme c'est passé. C'est un démon qui se manifeste. Vous voyez? Jésus va attaquer l'esprit. Le monsieur tombe. Jésus, qui tu es? C'est important de corriger les esprits. Et l'esprit dit, Légion, quand les démons commencent à parler, c'est bien précis. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Parle correctement au nom de Jésus. Sans quoi? C'est son mari. Ok. Comment vous comprenez ça? Elle n'écrit pas, non? Hein? Et elle dit, c'est qui parle? C'est son mari. Bon, on va chercher les savoirs. Voilà, on va chercher à savoir. Et toi, tu es où, le mari? Tu es où? Je suis. Loin. Depuis quand tu l'as marié? Il y a longtemps. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle le père. Comment tu t'appelles? Je m'appelle le père. Quoi? Je suis son oncle. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Et comment tu l'as mariée? Je l'ai mariée quand elle est petite. Comme ça? Quand elle est petite, je l'ai mariée. Comment ça? Quand elle est petite, c'est ça, je l'ai mariée. Comment ça? J'ai pris les trucs de sa maman quand on l'a couché. Ce qu'on a fait, j'ai pris ça. Je suis allée déterrer ça pour ne pas qu'elle fasse des enfants.
moi qui a bloqué. Elle ne peut pas faire enfant. C'est moi j'ai bloqué tout cela. J'ai bloqué. Elle ne peut pas faire enfant. Elle cherche, elle cherche, elle ne peut pas faire. C'est moi, je l'ai bloqué. J'ai bloqué sa chance. J'ai bloqué tout son mariage. J'ai bloqué toute sa vie. Tout. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué. L'esprit nous explique l'origine de ces problèmes. On dit qu'en réalité, elle n'arrive pas à procréer parce qu'il y a un esprit derrière. Vous comprenez? Et l'esprit dit, voici comment elle est devenue mon épouse. Et depuis lors, à partir du placenta, j'ai commencé à contrôler l'enfant. Et jusqu'à cet âge, l'esprit est dans sa vie. Elle connaît. Elle prie beaucoup, elle m'attaque trop. Elle connaît. Donc, avant, elle m'appelait. Comme c'est passé, on dit c'est moi. Donc, elle ne m'envoie même plus l'argent. Elle ne m'appelle plus. Elle m'appelle même plus. Vous avez compris? L'esprit. Amen. Quand elle prie, je suis touché par cette prière. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant. Parce que, en réalité, l'esprit continue à contrôler. Puisqu'elle n'arrive pas à faire d'enfant. Parce que si je passe seulement de prier, elle n'arrive pas à faire d'enfant. Elle n'arrive pas à voir quelqu'un dans sa vie qui s'est stabilisé. Voilà, elle n'arrive pas à voir quelqu'un. On dit, au-delà de la prière, on a besoin d'approfondir l'élégance. Vous comprenez? Donc l'esprit a raison sur elle parce que depuis le placenta, il y a eu un contact avec elle et l'esprit contrôle sa vie. Et quand Dieu veut la libérer, Amen. Il va la toucher aujourd'hui. Amen. L'esprit va commencer à parler. Depuis le village contrôle ses finances. Oui, j'ai même
J'ai même envoyé ses enfants derrière. Les enfants de sa grand-sœur, elle les aime beaucoup. Mais je les ai mis de la sorcellerie. Elle-même, elle connaît. La dernière fois, quand elle les a appelés, ils ont attaqué son travail est gâté avec. Et puis, elle même connaît quand on l'attaque, même elle connaît que c'est nous. Quand on l'attaque, elle connaît que c'est nous. Et puis elle prie seulement la nuit. Elle prie la nuit seulement. Elle prie seulement la nuit. Elle prie seulement la nuit. Elle prie seulement la nuit. C'est pas la prière de Jésus. Ce n'est pas le dessus de l'ennemi. Et comme l'ennemi a une raison, c'est une captivité. Mais bien son esclave, il fait que ce qu'il fait de sa vie. C'est pour ça que la prière ne suffit pas, on a juste besoin d'être aussi libéré de quelque chose. Amen. Bon, tu m'entends? Aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Amen. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Depuis le dernier jour, tu es entré en contact avec elle. Je veux la laisser. Voilà. Je veux la laisser. Mais tu es obligé de la laisser. C'est une obligation. Je prie. Ce lien avec toi, le lien. Hein? Comment? Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Et laisse sa fécondité. Libère sa vie. Libère son travail. Libère ses finances. Libère sa fécondité. Par la puissance qui vient dans le nom de Jésus. Comment? Chenet! Jésus. Je proclame la puissance de Jésus. Je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?